lăsați bus de fasio. Vous puteți prezenta? Adieu, siu Amy, a concedis Ahmad en Provençal, siu nascut a Vézun, en Vaucluse, et ar veste anime. Quand c'est prest, apie déjà sur bouton. En bécal parlas la langue vieille. La parole est Mélissa aussi de l'association TVOC, qui est sous mes collègues. Et sur Facebook, también hay des militants qui ont une contact. Et des coquillas, la parole est per d'hasard, cours et rencontre des gens d'une carrière. Cal, vous apprenez la langue? L'apprentissage a commencé à 18 ans, donc à l'université. Après, ça continue sous l'aide d'un autodidacte qui a vécu la passion. Et après, ça vient faire la licence à distance à l'Université de Montpellier. Et après, ça continue d'apprendre la langue au fil de mes reportages et tout à coup. Sourisette. La langue me donne un sentiment d'appartenance à une communauté. Surtout, j'ai ma coque à trouver mon identité. Pas véritablement des racines, mais je n'ai jamais montré le pays d'où je viens, en Champagne. Et je connaissais sous la main la Provence. Et ce que ma coque me suis ouvert de voir à quelle culture et à quelle langue, et à quoi m'a aidé à construire et à planter mon arbre. Tenez bus, pla dreci. Quel est le sens de l'utilité per bus? Un sens d'un premier militant, qui est une acte importante de parler la langue. Avant, il y avait l'invège de signer des langues étrangères, comme l'italien, comme l'anglais. Mais si vous dites que... L'anglais n'a pas besoin de yéou, du monde de Dieu. Et mes pensées que la langue d'or a mai besoin de yéou, sans prétention. Dans ma vie de personnelle, la rétrobe, surtout dans la littérature, et també parce que yéou écrivent des poèmes et des contes, et une langue nostre, et mes rétrobes et ma corps, et mes semble mai poétie et a mai des sens qu'en français. Une mot ou une expression, que vous plaît et pourquoi? C'est le mot trellus. Parce que c'est le moment le plus beau de la journée. C'est où vivait le cerf, surtout, si ou pas du matin. Donc le trellus est mon arbre. C'est le moment force positif pour vous.